Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne, c'est parti! Allez c'est parti pour une petite ouverture de coffre, vraiment petite, hein, on va pas se le cacher, mais c'est déjà bien, hein, voilà. Faites pas la fine bouche. Ok, bon, alors du coup, 54 d'or, déjà on commence plutôt pas mal. Un peu comme d'hab, quoi. Ouh, une méga gargouille. Ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et 8 squelettes, c'est déjà bien. C'est déjà bien, j'aime bien les squelettes, donc ça va. Après, il y a 57 d'or, on fait mieux, on devient riche. Un chevaucheur de cochon, ça fait toujours autant plaisir. 8 barbares. Ah, c'est un peu moins, malgré qu'ils soient puissants et que je les aime bien, c'est un peu moins. La preuve, ils sont niveau 7. Alors, 60 d'or, on a passé un palier. Attends, on était à 50, maintenant on est à 60. Ouah, ça c'est bon ça, une boule de feu, franchement, ça. Ah, ça c'est pas mal. Et 8 électrocutions, ça par contre... Voilà. Ouais, électrocution, c'est pas qu'il sert strictement à rien, mais un petit peu quand même. Ça va, la boule de feu, elle peut servir, mais électrocution, s'il te plaît, à quoi il sert, dis donc. Même lui, il est plus serviable. Même lui, mon gars. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Bon, allez, c'est parti, coffre gratuit. Qu'est-ce que ça donne? 76 d'or. Et c'est toujours aussi cool, les coffres gratuits, hein. Attention, 2 gemmes, et un sorcier, et 9... Ah mince, ils sont niveau 8, ils sont à reine 8, enfin son, je sais pas, mais il est à reine 8 en tout cas. Esprit de feu, bon, disons que ça fait quand même plaisir avec sa petite tête là, ah là là, on dirait que, je sais pas ce qu'on dirait, mais bon, on dirait qu'il est tout content quoi. Ouais, 66. Ah ouais, bah lui, il a reine 7, lui, hein. Et ça se descend, hein, tu sais. D'un coup, t'as eu plus de 70, et puis là, boum, moins de 70, quoi. Du coup, ah, une méga gargouille. Ça fait plaisir. Et 8 mortiers. Bon, ça, c'est pas non plus... On va pas se le cacher, 8 mortiers, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. J'espère que le coffre à couronne sera mieux que ça. Ah, attends, il y a le coffre d'or. J'allais oublier le coffre d'or. Alors, qu'est-ce que ça donne? Attention. 161 d'or. Ouais. Ouais, attends. C'est déjà pas mal, hein? Bon. Bon, ça vaut pas le coffre à couronne, tu vois. Pense bien, parce que plus de 400 d'or sur le coffre à couronne, plus de 400, t'imagines? Non, mais ouais, si, c'est ça. 8 canons. Ah, j'aime pas les canons. Non, franchement, j'aime pas trop ce qui est bâtiment défensif. 8 chevaliers. Ça, c'est pas mal. Enfin, ça passe bien, quoi. Chevalier, j'aime bien. 10 barbares. 10 barbares. Ouais, non, franchement, les barbares, ouais, c'est cool, hein, mais bon, voilà, quoi. Et 3 mousquetaires. Ok, non, pourquoi pas, j'attendais des mousquetaires, de toute façon, donc... non, j'aurais préféré, franchement, une petite Valkyrie, tu vois, ça aurait été pas mal. Bon, ça va qu'on a eu 2 méga gargouilles, ça, c'est pas mal, ça fait plaisir. 2 petites méga gargouilles, là, oh là 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 là, ça faisait plaisir. Bon, en attendant, quand même... On a fait un petit pack opening tranquillou. Et moi, du coup, bah, je vais vous devoir dire... je vais devoir vous dire à tout de suite pour attaquer. On va se faire 2 petites attaques. Après, on ouvrira le coffre à couronne. Donc, moi, je vais tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti. On est contre le king. Le roi. J'aurais dû faire comme ça. On est contre le roi. Je me suis fail. Bah, j'ai dit le king. Pourquoi le king? Autant faire la traduction jusqu'au bout. Hein, bon, voilà. Oui, donc, on est contre the king. Voilà, donc le roi, si tu préfères. Oh, petit prince ténébreux qui va me servir là normalement. Ça passe ou pas? Ouais, non, en fait c'était pourri. Quoique, c'est déjà bien. Il défend pas à droite, tu vas voir à droite, on va lui mettre. Oh, on va lui mettre à droite, ça va être un truc de malade. Aïe, je rigole. Quoi? Ben non. Hein. D'accord, ok, non, je sais pas, enfin bon. En fait, je sais pas s'il pleurait parce qu'il savait qu'il allait surexploser ou si. Je sais pas. Ouais, bon, allez, bonne chance. Je sais pas. J'aurais peut-être pas dû rigoler, finalement. J'aurais pas dû rigoler, parce que, bon, j'avoue que c'était un peu méchant, du coup. Mais bon. Non, je pensais qu'il pleurait, je sais pas quoi, pour moi, parce qu'il m'avait explosé une tour. Du coup, je lui ai dit, ah, tu veux jouer à ça? Moi, je vais t'exploser. Et puis, bah, ouais, non, finalement, je sais pas trop, en fait.
Ah bah oui, ça fait mal, bah oui, effectivement, mais bon, aussi, hein, t'avais qu'à défendre. J'ai envie de te dire. On va aller à droite, à gauche, comme ça, ça lui sera une chance de pouvoir se rattraper un petit peu. On sait jamais, des fois. Hop, voilà, petit molosse de lave. Normalement, on devrait être tranquille, hein, on devrait pas trop faire de... Voilà, regarde. Hop là, et pouf. Oh, bah qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah mince, il y a eu un problème dans l'équation, dis donc. Bon, en attendant, je pense qu'on se fait plutôt plaisir, hein. On va pas se le cacher. Voilà, regardez-moi ça, il prend une petite tour. Moi, j'en prends une aussi, tranquillou. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le petit archer juste là. Bam, bam, bam. Et voilà, il est mort. Et regardez, hop, une tour en moins. Et bah, dis donc, c'est ballot. Super combat, mon gars, super combat. Ah mais dis donc, tu t'énerves pour rien, toi. Moi aussi, je suis énervé. Je déconne, c'est pas vrai. Non, je ne sais pas m'énerver, mais je sais gueuler. Ah, ça, par contre, oui, je sais gueuler. Y'a pas de soucis. Ah non, mais bon, y'a pas de soucis, je sais gueuler. Ah, je t'assure. Bon, alors, alors, juste, on va faire ça, hein. Hop là, petit prince ténébreux qui sont... Enfin, qui sont... Qu'est-ce que je dis? Oh, merci à toi, toi. Attends, on va défendre quand même, on va dire exploser si on défend pas. Voilà, bon, alors... Oui, le prince ténébreux qui a bien tanké, hein, ça, y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense quand même que, voilà, on va se faire plaisir avec la sorcière, voilà. Petite Valkyrie. Ouais, ça va. Il nous fait pas trop de dégâts. Donc, il nous a bien rattrapé, mais nous, on l'explose. Bon, bah, ça fait plaisir. Voilà, alors, super combat, si t'as envie. Voilà, alors, le mec est un petit peu chelou, tu vois. Je sais pas, au début, il pleure, je sais même pas pourquoi. Après, il s'énerve, il machin. Wouh! On ne suit plus, mon gars. Tu sais pas ce que tu veux. Moi, j'ai rien compris au délire, hein. Le mec, il pleure, il machin, tu sais pas pourquoi. Est-ce qu'il fait ça pour rigoler? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Non, franchement, je sais pas du tout. Donc, bon, après, bon, chacun son ressenti par rapport à ce qu'il fait. Mais bon, bah, je sais pas. Enfin, bon, en tout cas, normalement, c'est censé être le roi. Bah, disons que c'est le roi de... Ah, attends, il était niveau 8, je crois. Hein? Hein? Non, mais c'est le roi de... Je sais même pas comment tourner ça. Tu sais, qui se fait casser beaucoup de tours, là. Bah, je sais pas, on va dire c'est le roi des... C'est le roi des gringolades. Voilà, le roi de la dégringolade. Ah, pas mal comme ça. Ouais, je pense pas que je vais mettre ça en titre, hein. Ça ferait un peu chelou. t'imagines? C'est le roi de la dégringolade. C'est quoi ce titre, mon gars? Enfin bon, en attendant, moi je vais vous dire tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. Et c'est parti, on est contre Slam Death, qui est niveau 9. Et ça, t'as fait plaisir, parce que j'en ai marre de tomber sur des niveaux 8, parce qu'à chaque fois, quand je suis à niveau 8, je fais égalité. Tu ne sais pas pourquoi. Et donc du coup, là, on va pas faire égalité. Là, c'est moi qui vous le dis, on va faire péter de champagne. ouais, c'était un sourire un petit peu sournois, où j'en sais trop rien. Un rire un petit peu sournois où j'en sais trop rien. Non, ça va faire mal tout ça. Vas-y, attends, on a l'horde du gargouille, wesh. La horde du gargouille, ça passe. Allez, on va arriver. Ah, le fou, là. Ah, le fou, quoi. Ah, il m'a explosé. Oh, mais c'est un truc de fou, comment il... Oh là 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 là. Ça passe ou pas? Qu'est-ce que ça passe? Mais... Non. Pourquoi pas? Mais y'a rien fait, moi. Oh là là, bon, c'est pas... Oh, À gauche. Oh, on lui explose la tour. Je t'avais dit qu'on allait faire péter le champagne, mon gars. Non, comment on fait? Comme ça, là. Non, c'est peut-être un truc comme ça, quoi. Un truc comme ça. C'est pas comme ça exactement, tu vois. Ça passe bien, ça. Mais c'est pas ça, tu vois. C'est... Oh, attends. Ah. Mais tu vois, je parle, je dis n'importe quoi, là. Et puis derrière, je me fais exploser, tout simplement. Attends, on va peut-être... Ouais. Comment c'est possible? Ok, je vois. Donc on va faire ça. Ça va être très simple. Voilà. Nickel. Donc, après on va faire... Je sais pas du tout. Je sais plus ce qu'il a comme troupe. Oh là là là, la honte, je sais plus ce qu'il a comme troupe. Mais qu'est-ce qu'elles font les gargouilles là? Ouh, attends. Ce qu'on va faire, c'est... On va faire ça. On est toujours pas dans la minute spéciale, mais c'est hallucinant ça. C'est hallucinant ça. Bon, on va faire ça. Normalement, ça devrait passer. Ça passe? Ça va. Oh! What?
356 points de vie. Mais c'est quoi ce truc de malade? Waouh! Mais j'ai fait comment? Avec mes hordes de gargouilles là? Mais what? Mais c'est génial! Le kiff total, mon gars. Ça, c'est bon, ça. Avec mon prince ténébreux et mes gargouilles, j'ai fait ça, quoi. Je me demande comment c'est possible. Enfin bon, en attendant, ça fait plaisir. Et du coup, ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais envoyer ça. Petite horde de gargouilles. Et puis voilà, c'est fini. Moi, je fais plus rien, moi. Et hop, à demain. Moi, je vous dis à demain. Et puis, portez-vous bien. Oh là là. Oh, franchement, je vous avais dit qu'on allait faire péter champagne à... Hop là! C'est pas comme ça qu'on fait, mais on s'en fout! Je sais plus comment ils font, je crois que c'est atteint. Je vais essayer. Ouais, c'est comme ça, mon gars! Comme ça, ils font. Attends, c'est dégueulasse. Enfin. Bon, alors, du coup. Oh non, je suis à Reine 8! Ah, merde! Bon, je vous dis à tout de suite pour le coffre à couronne. T'es parti. Et c'est parti, petite ouverture de coffre à couronne. T'es parti. Attention, qu'est-ce que ça donne? Hop, on ouvre. Qu'est-ce qui se passe? 460 d'or, c'est plutôt pas mal. 3 gemmes, c'est vraiment pas mal. 3 squelettes, disons que ça passe. 5 archers, ça. Tu vois ça là? Ça là, ça, ça fait plaisir. Et 6 cabanes de gobelins, bon ça, limite on s'en fout. 44 bombardiers, ça. Ça fait plaisir parce que bombardier, hein, y a rien à dire. Ça reste une troupe exceptionnelle, mais... J'utilise pas, du coup, c'est dommage. J'aurais bien voulu que ce soit 44 archers, quoi. Oh, ça aurait été magnifique. Ça aurait été vraiment parfait, quoi. Mais malheureusement, non, c'était pas ça. Bon, c'est pas très grave. En attendant, on s'est fait quand même assez plaisir avec le pack opening. Les deux petites attaques combinées, ça passe toujours bien, bah oui. Voilà, donc le petit coffre à couronne, histoire de bien terminer. Bon, moi, tout ce que vous voyez ici, c'est ce que je veux, hein. Horde de gargouilles, méga gargouilles, archers, valkyrie, prince ténébreux, pourquoi pas des sorciers de glace, molosses de lave, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Pourquoi pas aussi la princesse, hein, on sait jamais, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Bon, en attendant, on s'est fait quand même plaisir, on va pas se cacher. Faut que je me suis fait plaisir. Et donc, du coup, moi, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.